Envie de regarder plus d'épisodes de la série Lueur d'amour rapidement? Toutes les saisons de cette série sont disponibles en achat en VOD sur la plateforme VouriTV. Pour pouvoir y accéder, tapez ce lien d'accès direct www.vouri.tv/mnl.php. Lueur d'amour. Alors, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Qu'est-ce que monsieur Nia a dit? Et surtout, tu as intérêt à me répondre, parce que tu étais présent. Ne me dis surtout pas le contraire. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Ne t'en mêle pas, s'il te plaît, va te coucher. Je ne partirai pas d'ici sans toi. Ok, tu as gagné. Et il n'est même pas marié. Cela montre son irresponsabilité envers le village. Envers nous et envers les enfants qu'il est en train d'enseigner. Vous n'êtes qu'un abruté égaré dans ce village. Notable, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous voyez les fruits des histoires que vous appelez enseignement? Hein? Bande de cafards. Hein? Bande d'abrutis. Merci à toi, notable Kwiti. J'ai rencontré Adja, mais elle a refusé de dialoguer avec moi. Elle se sent peut-être coupable. Pardon, Sa Majesté. Majesté, laissez-moi le ramasser. Tu veux vraiment le ramasser? Oui, mon roi, puisque je suis à votre service. Ah bon? Et tu sais même que tu es à mon service? Tu étais où les jours précédents pour le faire? Mon roi, j'avais un malaise. Et tu as dit à qui que tu avais un malaise? Majesté... Je sais que tu es gêné. Alors... Ne te fais pas trop de peine. Majesté, étant donné que vous ne pouvez pas le ramasser, qu'est-ce que je fais donc? Va dire à la reine de venir le faire. Ou n'importe quel notable que tu rencontreras en premier. Votre honneur, ma reine. Merci, ma fille. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici en ce moment? Tu devrais plutôt être à ton poste de travail. Si, ma reine, c'est le roi qui m'a demandé de venir vous chercher. Et pour quelle raison? Ma reine, le chasse-mouche du roi est tombé. Et il m'a demandé de soit de vous faire venir, soit d'appeler un notable. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le chasse-mouche du roi se retrouve au sol? Ma reine, j'étais dans la cour et... Et tu n'as pas essayé de le ramasser? Si, ma reine. Mais il m'a empêché, il m'a demandé de vous faire venir. Allons-y donc. Ma sœur, tu sais, nous sommes tous des êtres humains.
Je tiens sincèrement à te demander pardon pour le fait que je t'ai traité comme une mauvaise mère. Et tout ça. Ça arrive à tout le monde. Surtout dans les émotions du genre. Tu ne m'as rien fait de mal. C'est pour cette raison que j'implore ton pardon. Je veux que tu me pardonnes, ainsi que ma famille. Je vous ai pardonné. Merci, ma sœur. Tu sais, dans la vie, nous devons apprendre à pardonner et tolérer certaines choses. Je comprends aussi la situation dans laquelle tu vis maintenant. Mais ça va aller. Jusqu'ici, il n'arrive pas à comprendre comment tout ceci a commencé. Adjama a sommé. Elle m'a tiré dessus. Merde. Je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'une grande femme, une vieille femme de 49 ans, voire même 50 ans, peut être amoureuse d'un tout petit garçon de 21 ans. Mais c'est quoi ça? Cette histoire n'est pas si simple que ça, ma soeur. On dirait qu'elle veut inculquer la sorcellerie à mon fils. Et c'est sur notre enfant qu'elle veut faire ça. De toutes les façons, ça ne doit pas se passer comme ça. Dis-moi un peu, et ton fils Samen, qu'est-ce qu'il a dit pour ce scénario? Je sais qu'elle a donné quoi à mon fils, ma soeur. Il ne me dit rien de bon. Cet homme de Sona, je pense qu'il n'est pas de chez nous. C'est un extraterrestre. Je vous avais dit, grand roi, voilà pourquoi je comprends ta réaction d'antan. Peut-être que tu n'as même pas pris le temps de bien l'écouter. Franchement, il n'est pas comme tu penses. Il est fait comment, Anze? Il m'a tellement dit des choses que ma mémoire refuse de retenir. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la valeur dont il fait montre. Et le fait de réitérer sa pensée qu'il n'est pas le créateur de la vie. Et c'est ainsi que sa place doit être éloignée de nous. Pour ne pas contaminer le village. Comment peut-il affirmer qu'on doit respecter la femme et même lui accorder la liberté d'expression? Non. Sona est un poison pour ce village. Pour moi, c'est un rêveur. Les mathématiques ne doivent pas influencer la spiritualité de chez nous. Tant pis pour les gens qui vont enfreindre la loi. Il en est de même pour toute femme qui déstabilise son foyer. Elle se retrouvera face aux conséquences. Ce n'est pas possible de négocier. Mon fils Ngassam, papa Wandi. Les délinquants de ce village ont compris que l'heure est très grave. Tu as raison, papa Wandi. Tu sais que aucune nouvelle ne peut se cacher dans ce village. À l'heure qu'il est là, ils sont déjà au courant que nous, les victimes, on allait se plaindre chez le roi. Et pour dire vrai, ces voleurs ont détruit leur propre conscience. Ils posent des actes sans remords. Papa Wandi, quand je vois la qualité de choses là, ça me dépasse. Ça fait seulement comme si le diable est passé derrière moi comme wing. Papa Wandi, tu me connais. Tu sais que je ne cherche des problèmes à personne dans ce village. Tu m'as vu grandir. Mais je me demande pourquoi une telle chose peut m'arriver à moi, Ngassam. Parce que tu sais, on dit que ce qui nous arrive aujourd'hui est la conséquence de nos actes passés. Mais moi, papa Wandi, je suis un travailleur. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais volé la chose de quelqu'un. Voler même n'a jamais traversé mon esprit, papa Wandi. Oh. Mais pourquoi ça doit m'arriver? Gassa, tu as tort de ne pas comprendre ce que tu dis. La Bible nous enseigne que tu seras maudit jusqu'à la quatrième génération. Et peut-être tes ancêtres l'ont fait. C'est-à-dire voler. Mentir même. Autre chose. Papa Wandi, même si c'est le cas, moi je suis un travailleur. Je vais travailler jusqu'à atteindre mon idéal. Et c'est ça. Je t'encourage, mon fils, d'aller vers là. C'est la seule chose qui nous reste.
aller vers notre idéal. Merci bien, papa Wandi. Merci bien. J'ai amorcé même déjà ma cérémonie de mariage avec Morgan. Oh, mon fils. Non, c'est très bien. Tu es un homme. Papa Wandi, en volant mes chefs, ils ont cru qu'ils ont coupé mon bras. Ils se sont trompés. Moi, Ngassam, je suis un travailleur. Je suis un bosseur. Papa Wandi. Oui. C'est pourquoi je voudrais savoir exactement quand se tiendra ma cérémonie coutumière avec mon camp. Mon fils Gassa, notre fille actuellement est très frustrée, très sensible. Quand nous abordons ce sujet, hey, elle devient très rouge. S'il te plaît, mon fils, accorde-nous encore un peu de temps. Papa Wandi, toi-même tu sais que si ce n'était pas cette histoire de vol successif de mes chefs, on ne serait plus là à parler de cette histoire. Moi je ne comprends plus rien. Well, Gassam, essaye de nous comprendre. Accorde-nous, s'il te plaît, un peu de temps, comme je te demande. S'il te plaît. Toi-même, tu sais qu'il n'y a plus de temps. Je dois déjà voir comment je dois arranger les choses pour mon mariage. Et aussi penser déjà à voir mon premier enfant. Tu as raison, mon fils. Mais il y a un adage qui dit, lorsque tu pars là où tu vas dormir, si en arrivant là-bas, il y a une marmite de nourriture au feu, tu ne dois pas demander qu'on descende la marmite pour te servir la nourriture. Mon fils, laisse le soin au propriétaire, quel qu'en soit le temps que ça pourra mettre. Anani, allons-y, il est déjà parti. Je vous suis, ma reine. Mais dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le chasse-mouche au roi se retrouve au sol? Ma reine, moi aussi je ne comprends pas. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Et qu'est-ce que tu as remarqué? Ma reine, avant que le chasse-mouche du roi ne se retrouve au sol, le roi dandinait. Pardon? Le roi a dandiné? Oui, ma reine. Seigneur, c'est pas possible. Ça veut dire que sa majesté ne se sent pas bien. Ma reine, je ne pense pas que ce soit ça. Et qu'est-ce que tu veux encore insinuer? Ma reine, C'est que quoi? J'ai bousculé le roi. Non, mais c'est pas possible. Anani, tu as bousculé le roi? Mais avec quoi est-ce que tu passais? Un camion? Allons-y vite. Mbolok. Ah, marraine. Ah, merci. Est-ce que Sa Majesté a besoin d'autre chose? Non, marraine. Est-ce que tu peux me laisser un instant avec Anani? Anani. Mon roi. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, Majesté. Je t'avais déjà dit que lorsque je cause avec toi, tu dois me regarder dans les yeux. Ça fait plusieurs fois que je te pose cette question et tu ne m'as pas toujours donné la bonne réponse. Est-ce que tu es à l'aise de travailler ici? Non, mon roi. Je ne suis pas du tout à l'aise. Voilà alors pourquoi je veux faire de toi une grande reine avec des soldats et des servantes et tout ce que cela comporte. Majesté, inutile de discuter, Anani. Dans 2 semaines au plus tard, tu prendras ta place auprès du roi.
Adja. Bonjour. Bonjour, Mankouette. J'espère que je ne te dérange pas, hein. Est-ce que tu peux me déranger? On ne sait jamais. La dernière fois ici, tu t'es comportée comme une personne qui avait la braise sous la plante des pieds. Est-ce que tu trouves que toutes tes questions pièges étaient normales? De quelles questions pièges tu parles? Surtout si toi, tu ne te reproches de rien. Je n'ai rien à me reprocher. Adja, je ne savais pas que tu étais aussi hypocrite. S'il te plaît, je peux savoir les raisons de toutes ces déclarations? On t'accuse de ce que tu entreprends avec Samen. Maman, une relation amoureuse. Stop! Tu n'as pas ta vie. Occupe-toi de ta vie et laisse la mienne tranquille. Tu ne sais pas que la vie se conjugue à la première personne du singulier. Maman. Ha! C'est vrai que l'être humain est divers et ondoyant. Qui, en dehors de Estelle, pouvait raconter ce genre de choses à ma femme? Ça ne pouvait être que cette folle. Je vais lui administrer une correction. De papa. Bonjour, monsieur Ngassan. Eh, mon cam, même pas un petit sourire. Quoi? Le sourire de quoi? Qu'est-ce que le sourire a à y voir avec mon bonjour? Eh, mon cam, ton sourire? Ha, ça dit que ça mêle la joie dans mon cœur. Par exemple, tu vois le soleil qui est en haut là? Tu sais à quoi il nous sert? Oui, le soleil à travers ses rayons nous illumine, bien sûr. Voilà, mon cam. C'est comme ça que ton sourire apporte la joie dans mon cœur. Eh, mon cam. Mon cap, je ne t'ai pas dit de forcer le sourire. Hein? Dis-moi, pourquoi tu me détestes comme ça? Je ne déteste personne. Je n'ai pas dit personne, mon cam. J'ai dit moi, Ngassam, pourquoi tu me détestes comme ça? Je n'ai pas toujours été gentil avec vous, mon cam. Je n'ai pas toujours été gentil avec tes parents. Et même là maintenant, mon cam, je ne suis pas gentil. Pourquoi tu me fais ça? Monsieur Ngassam, je n'ai pas assez de temps disponible pour débattre ce genre de sujet avec toi. Je sors des cours et je suis fatiguée. Alors si tu le permets, je voudrais vite arriver à la maison. Donc, on va se voir une prochaine fois? Je crois que oui. Mon gars. Non, ta maman t'a accouché. Quand je vois, tu marches, tu fais comme ça, tiglic, tiglic, tiglic. La main d'éléphant, je vais donner à tes parents. Oh, calme! Mon Dieu, ce problème est en train de prendre une autre tournure. Mais il y a une chose que je n'arrive pas toujours à comprendre. Le roi sait que je suis mariée. Il sait aussi que s'il agit de la façon dont tu veux procéder, nos canons vont l'abattre. Je ne comprends pas, sauf s'il veut bafouer nos canons. Ce qui ne plaît pas à Rome,
c'est que les gens restent cloîtrés dans leur tradition. Et le temple du savoir, comme les gens l'appellent, on se disait que ça pouvait faire l'exception. Maître Sona, si jamais vous travaillez pour Rome, on ne douterait point de vos enseignements. Et pourquoi vous douterez des enseignements que je dispense ? Parce que la référence pour ce qui est de la véracité et l'authenticité de la connaissance ou du savoir est romaine ou grecque. C'est de ça qu'il est question. D'un, je vous rappelle que tous les savants grecs et romains sont passés par les temples égyptiens où ils ont reçu des enseignements. Et de deux, référez-vous à Volmé, à Chekantadio, à Léophrobénus, à Marcus Garvey, à Ivan Sertima, pour comprendre que l'Afrique a éclairé le monde entier à travers l'Égypte pharaonique. Mais qu'est-ce que vous racontez là, Maître Sona? Je ne raconte pas. Je déclare. Je suis prêt à défendre mes déclarations partout où besoin sera. Je n'ai pas imaginé que j'étais en face d'une personne qui imbute sa personnalité. Loin d'être imbu de ma personnalité, je vous parle des faits réels. Vous ne pouvez pas de recherche scientifique. Il ne s'agit pas d'une idéologie, car le monde ne se fera pas avec l'effacement de certains peuples au profit d'autres. Je ne serai jamais votre complice. Je suis dans votre temple. Bien sûr, mais tout à l'heure, là, je vais vaquer à d'autres occupations. L'oisivité n'a pas de place dans mon temple. Attendez, mais c'est une insulte? Ce n'est pas une insulte. Mais c'est une vérité aussi vraie que vous me voyez et que je vous vois. L'Africain doit cesser d'aller prendre des ordres qui à Rome, qui à la Mecque, qui en Inde. Car ni la Mecque, ni Rome, encore moins l'Inde, n'a rien à nous apprendre dans quelque domaine que ce soit de la religion, de la culture ou de la science. C'est l'Égypte qui est la source de tous ces domaines. Je parle bien de l'Égypte pharaonique. Je vais vous enfoncer ça dans la tête, monsieur l'abbé. Moi, j'ai plutôt comme impression qu'il y a quelque chose qui ne tient pas bien, qui ne tourne pas rond dans votre tête. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. Mais je vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer positivement. Que Dieu vous bénisse. Dégagez. Je sais pas, je me sens vraiment pas bien. Et qu'y a-t-il, mon prince? Est-ce que j'ai deux problèmes? Tant que mon problème habituel me taraude encore l'esprit, mon âme ne sera pas tranquille. Et qu'allons-nous faire maintenant? Nous sommes toujours là-dessus, non? Juste réfléchir les voies et moyens comment faire pour avoir Nani. Mais mon prince, si l'autre jour vous avez compris ma position, c'est qu'on n'en serait plus là. Moi, prince de Karma, user de l'aide d'un charmeur, non. Même la reine ne sera pas contente s'il advienne qu'elle apprenne que j'ai commis un tel acte. Et que voulez-vous que je fasse pour vous aider? Je sais pas. Tu es là pour m'aider, non? Réfléchis à ma place. Je sais pas, trouve autre chose. Ah, mon prince, j'ai une idée. Ah bon? Vas-y, accouche. Je propose que Nia soit enlevée.